Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Commission européenne renforce son partenariat avec l'Afrique. Elle s'est engagée à investir plus de 150 milliards d'euros au cours de ces prochaines années. Un investissement qui entre dans le cadre du programme Global Gateway. Moderniser la filière bétail, c'est l'objectif que s'est donné le Tchad qui souhaite mettre en œuvre des zones industrielles spécialisées en partenariat avec le groupe Arise. Et puis la tenue prochaine de la 15e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, un événement organisé en Côte d'Ivoire, principalement axé sur la restauration des sols. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, est-ce là le signe d'un retour progressif à la paix? Au Nigeria, plus de 30 000 terroristes se seraient rendus à l'armée. Des chiffres divulgués ce 10 février par Babagana Zouloum, le gouverneur de l'état du Borno, une zone régulièrement ravagée par les attaques terroristes. Ces combattants sont des éléments de Boko Haram et du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Une reddition qui redonne de l'espoir au gouverneur. Selon lui, cette insurrection dans le nord-est sera bientôt révolue. La Commission européenne souhaite faire de sa relation avec le continent africain une priorité. C'est dans cette optique qu'un investissement de plus de 150 milliards d'euros en Afrique a été annoncé. Cet investissement, qui sera mobilisé durant ces prochaines années, entre dans le cadre du programme Global Gateway lancé en décembre 2021. Plus de précisions avec Gladys Momba. Le partenariat entre l'Afrique et l'Europe se renforce. La Commission européenne a annoncé le 10 février un investissement de plus de 150 milliards d'euros en Afrique dans le cadre de son programme Global Gateway, lancé en décembre 2021. Une annonce faite à Dakar en présence du président sénégalais Macky Sall, qui a récemment pris les rênes de l'Union africaine. Aujourd'hui, je suis fière d'annoncer plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique-Europe. C'est le tout premier plan régional sous Global Gateway, 2 mois après le lancement de la stratégie. Il sera porté par l'équipe Europe et mis en œuvre en partenariat avec vous. Global Gateway est la nouvelle stratégie européenne visant à développer des liens durables dans le monde entier pour aider à stimuler la reprise économique mondiale. Ce programme est censé mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'ici à 2027 en faveur de projets d'infrastructures à travers le monde. Global Gateway, ce sont des investissements dans l'infrastructure, dans des infrastructures stratégiques, dans les infrastructures de l'industrie, mais aussi de la santé, la jeunesse, l'éducation, tellement important. Notons que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le 9 février, lors d'une visite à Rabat, un investissement de 1,6 milliard d'euros au Maroc en faveur de projets d'énergie verte. Ces investissements surviennent en prélude au 6e sommet Union européenne-Union africaine, prévu les 17 et 18 février à Bruxelles, plus de 4 ans après la dernière rencontre du genre. Dans l'actualité également, eux aussi comptent décaisser une somme importante au profit cette fois-ci du Burundi. Les États-Unis vont débourser 400 millions de dollars pour favoriser le développement durable du pays. Une information divulguée ce 11 février par le ministre des Affaires étrangères Albert Shingiro sur les réseaux sociaux. Ces fonds permettront de soutenir plusieurs secteurs, celui de l'agriculture notamment, de la santé mais aussi de l'environnement. À noter que cette annonce intervient plus de 2 mois après la levée des sanctions américaines imposées à plusieurs personnalités burundaises. Au Maroc, la Société nationale des autoroutes s'est réunie ce 8 février, réunion durant laquelle le conseil d'administration a approuvé le budget de l'année 2022. Autre point phare de cette session, ADM prévoit un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de dirhams ainsi qu'une hausse du trafic de l'ordre de 2%. Les détails avec Aménélie. Le conseil d'administration de la Société nationale des autoroutes du Maroc, ADM, a approuvé mardi 8 février 2022 à Rabat le budget pour l'année 2022, tablant sur un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de dirhams, axé autour de l'aménagement des infrastructures routières. Les autorités prévoient par ailleurs une hausse du trafic évaluée à plus de 2%. Elle se base tout simplement sur les statistiques. Aujourd'hui, il y a une augmentation
ont des immatriculations au Maroc. Et donc, ils estiment que sur cette augmentation, sur aussi une évolution de la population qui est en âge de prendre sa voiture et de prendre l'autoroute, elle aussi, elle a augmenté. Donc, suite à cette augmentation de 2%, ils considèrent qu'ils vont pouvoir avoir une augmentation des revenus. En détail, 1,4 milliard de dirhams a été affecté principalement à la poursuite des travaux de triplement de l'autoroute Casablanca-Berrechid et de celui du contournement de Casablanca. Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière, la Société nationale des autoroutes envisage également le lancement de la radio Infotrafic 107.7. Ça permet d'informer en temps réel les automobilistes sur l'état du trafic. Par exemple, si vous avez devant vous un bouchon, un embouteillage qui est allé sur plusieurs kilomètres, peut-être qu'il serait plus judicieux, si vous êtes informé à temps, de pouvoir prendre une nationale. Comme ça, vous contournez tous les incidents qui seront sur l'autoroute nationale marocaine seront traités par cette radio et la radio va informer tous les automobilistes et ça leur permettra de prendre les bonnes décisions au bon moment, en tout cas d'être informé sur l'état du trafic. Le rapport parlementaire sur les infrastructures routières indique que le montant alloué à l'entretien et à la sauvegarde du réseau routier pour l'année 2021 au Maroc est de l'ordre de 894 millions de dirhams. Assurer la transformation des produits de l'élevage pour renforcer la croissance économique, c'est le défi que s'est lancé le Tchad. Avec le groupe RISE, le pays entend mettre en œuvre des zones industrielles spécialisées et ce en vue de moderniser la filière bétail. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, la commercialisation de la viande repose essentiellement sur des pratiques artisanales. Pourtant, le potentiel animal du pays est estimé à plus de 110 millions de têtes de bétail selon les chiffres officiels. La transformation de cette filière à partir des unités modernes pourrait générer environ 1 700 milliards de francs CFA par an selon une étude approuvée par le gouvernement et son partenaire RISE. Ainsi, la filière pourrait générer près de 45 000 emplois supplémentaires. Les premiers bénéficiaires, ce sont les jeunes et les femmes. Et surtout aussi les emplois indirects qui sont les milieux ruraux. Nous avons misé sur l'exportation de la viande. Et après l'avoir valorisée, on lui donnerait un label. Et suite à la création d'une société qu'on appellera l'Aham Tchad. Pour capter ces fonds, le Tchad prévoit en partenariat avec Rise la mise sur pied de cette zone industrielle spécialisée pour la transformation et la modernisation de la filière bétail d'ici 2035. Le projet porte sur un coût global de 550 milliards de francs CFA. Toutefois, selon les acteurs, la modernisation de la filière doit tenir compte des difficultés des éleveurs. Le mois de juillet jusqu'à novembre, je pense que le bétail se nourrit du pâturage naturel, il n'a pas besoin d'avoir d'autres aliments. Mais à partir des périodes de soudure, il faudrait que maintenant cette industrie puisse accompagner les éleveurs. Selon le plan de développement de la filière bétail-viande, validé par un comité interministériel et les acteurs de l'élevage, le Tchad compte intensifier l'exploitation de ses produits animaliers vers les pays de la CEMAC et de la CEA. En attendant des accords bilatéraux de commerce entre le Tchad, l'Égypte et l'Angola. Dans le reste de l'actualité, la visite du patron de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique du Sud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est venu inspecter la nouvelle unité de production de vaccins anti-Covid 100% africains, une usine inaugurée le 19 janvier dernier en présence du président Cyril Ramaphosa. Si cette unité permettra d'intensifier la campagne de vaccination dans le pays, elle vise surtout à répondre aux inégalités d'accès aux vaccins. D'ici 2025, elle devrait atteindre une capacité de production d'un milliard de doses par an. La Côte d'Ivoire accueillera à partir du 9 mai 2022 la 15e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. À l'heure où la problématique du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations, cet événement sera l'occasion d'explorer des différentes solutions pour restaurer les terres. Ange Bijounomenyo. La Côte d'Ivoire a un grand potentiel agricole. Mais les menaces environnementales qui pèsent sur elle sont de plus alarmantes. Dégradation des sols, déforestation et crise alimentaire sont les principaux risques encourus par le pays d'Afrique de l'Ouest.
L'ONU estime d'ailleurs à 60% le taux de dégradation des sols du pays. À quelques mois de la COP15, les défis face à une telle menace cristallisent les débats. Alors, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de désertification, mais la dégradation des sols et les effets donc, des changements climatiques peuvent être des facteurs donc, des désertifications. Et donc, il est question de réfléchir. Mais non seulement, pas pour la Côte d'Ivoire seulement, puisque c'est une conférence des parties, donc chaque pays à ces problèmes liés donc à la désertification. D'après les chiffres officiels, le taux de déforestation en Côte d'Ivoire est estimé à 90%. Une dégradation qui résulte de l'exploitation agricole abusive et de l'impact du réchauffement climatique planétaire. Selon les experts, cette situation pourrait accentuer les zones de conflit compte tenu de l'appauvrissement des sols et du manque de ressources alimentaires. La désertification aussi a de très fortes corrélations avec la montée des extrémismes violents. Du fait de la perte de production, la perte de productivité agricole, les sergents recruteurs des extrémistes violents viennent voir les populations et leur proposent quitte un sac de riz, un sac de sorgho, un sac, etc. Et donc, cette perte de productivité là aussi est un facteur qui augmente l'extrémisme violent. La COP15 sera donc l'occasion pour la Côte d'Ivoire de régler toutes ces questions environnementales. L'événement se tient pour la première fois en terre ivoirienne du 9 au 20 mai 2022. On reste en Côte d'Ivoire, qui sera le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2023. Une délégation de la Confédération africaine de football était en visite dans le pays pour inspecter l'avancée des travaux. Pour le secrétaire général de la CAF, Véron Monsengo Umba, la dynamique est bien lancée. Reportage de notre correspondant Jbijou Nomenyo. La Confédération africaine de football affiche une satisfaction totale au vu des préparatifs de la CAN 2023 par la Côte d'Ivoire. Du 7 au 9 février 2022, elle a dépêché une mission d'observation dans le pays d'Afrique de l'Ouest afin de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux. Cette mission a été dirigée par le secrétaire général de la CAF, Véron Monsengo Umba. Ce dernier a effectué une visite de terrain avec sa délégation avant de s'entretenir avec les plus hautes autorités de Côte d'Ivoire. Incroyable. J'en ai même dit qu'en soit à San Pedro, moi je dis, elle est en cours de construction, mais c'est déjà beau. Ça peut rester comme ça, c'est déjà beau. C'est magnifique. Les choses que j'ai constatées, ça passe très 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 bien. Je vous remercie. Il faut qu'on garde cette dynamisme. Les autorités ivoiriennes n'ont pas manqué aussi d'exprimer leur satisfaction face à l'avancement des travaux. Le pays d'Afrique de l'Ouest mise beaucoup sur cet événement pour lequel il a investi 173,800 milliards de francs CFA. Le fait d'avoir enchaîné directement pour venir ici, comme vous l'avez dit à la demande du président Motsepe, est pour nous un gage de succès déjà. Pour la préparation dans laquelle nous sommes engagés déjà depuis quelques années avec son excellentieux président de la République. Il m'a demandé expressément de vous demander de traduire donc au président Motsepe toute sa gratitude ainsi que celui du peuple ivoirien. 6 stades au total vont abriter la plus grande compétition du football africain. De la capitale politique Yamoussoukro au joyau du Nord Korogo, en passant par Boaké, les visiteurs auront l'occasion de découvrir les magnifiques régions de la Côte d'Ivoire profonde et de vivre une apothéose festive dans les écrins de San Pedro et de la capitale économique Abidjan, une des plus belles villes en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.